Et les gars, où est passé Billy? Il a vaguement parlé d'une fille appelée Keisha. Il est parti là-bas encore une fois. Merde, c'est pas croyable! Tu veux que je vienne aussi? Je crois que non. Allez les enfants, suivez-moi. Le vieux, qu'est-ce que tu veux? Je cherche une fille appelée Keisha, tu la connais? Keisha? Oh, ouais, Keisha, elle vient souvent ces jours-ci. Pourquoi tu la cherches, dis-moi? Elle est avec un de mes étudiants, Billy Scott. Tu connais? Un assez beau gosse. Il est venu déjà ici samedi. Oui, oui, Billy. Je le connais pas. Mais toi, oui, la mère poule. Ouais, tu es ce gars qui imite Bruce Lee, oui, celui qui dirige l'école plus bas, exact. Regarde-moi. Oh yeah! Un coup en bas, un coup en haut. Et voilà. J'en ai une bonne pour envoyer ton karaté jusqu'au ciel. Va te faire voir ailleurs, vieux débris. Toute cette bande de petits morveux de ton espèce qui pourrissent tout avec la drogue, je les ai assez vus. Voilà. Tu veux que je t'en mette un suppositoire? Et toi, tu aimerais que je te mette ta petite gueule en marmelade? Fous-moi la paix, salaud. Hé, du calme, vieux. Tu me cherches, peut-être? J'aime pas qu'on menace. Je le demande encore une fois où se trouve Billy. Je t'ai dit que j'en sais rien. Mauvaise réponse. Encore une fois, où est Billy Scott? Je t'emmerde. Ça t'apprendra à être poli. On fait une petite course, hein? Oh! Nous, non. Vous, oui. Bon. Je me sens en forme. Emplissez votre bouche. Mais n'avalez surtout pas. Fermez les yeux et méditez. Montez très lentement jusqu'à 100, chaque fois en inspirant. Nous allons plus loin sur la plage. Quand vous aurez compté 100, ouvrez les yeux et courez vers nous. Et puis crachez l'eau dans le gobelet. Bien, comptez lentement. 1, 2, 3. We'll be right back.
toussé. Je m'en excuse. Putain. Faites attention cette fois. Maintenant, comptez. Vous semblez pas fatigué, vous. C'est très simple. Nous avons pris la voiture et nous sommes allés nous garer au parking suivant. Demain, on recommence encore. Quelle forme ! Pas de course aujourd'hui. On apprend à se battre, enfin. Vous et moi ? Vous ne voudriez pas me tuer tout de même. Jasmine, à ton avis, est-ce que je devrais l'épargner ? Oh oui, Monsieur Nico. Il est très vieux et loin d'être malin comme vous, vous pourriez le tuer. Comme ça, ça pourrait aller? C'est facile pour moi. Ah, vous êtes fâché? Alors écoutez-moi. Vous êtes allé vous battre l'autre jour comme un bébé endormi. Vous n'étiez pas encore prêt. L'autre adversaire a triché, oui. Vous devez toujours être préparé, ne jamais être fâché. Vous fâcher est fatigant, vous ridiculise et il faut faire fâcher l'autre. Vous saisissez? Oui, monsieur. Très bien. Vous êtes prêt? Oui, monsieur. Oh. Vous disiez être prêt? Je le suis, monsieur. J'espère que je ne vous ai pas blessé. Du tout, j'ai appris une leçon. Vraiment? J'ai appris à me tenir prêt. Et votre humeur? Oui, je dois travailler fort là-dessus. Nicasson, j'ai quelque chose à vous montrer. En vous frappant ce matin, j'ai réussi à vous mettre hors de vous. Oui, monsieur. Quand un combattant est en colère, il ne peut analyser le combat. Vous êtes en colère? Non. D'où ma main a-t-elle frappé? Combien de mes doigts vous ont touché? De quel côté je penchais? À quel degré ai-je frappé? 8 cm de la hanche. 4 de vos doigts m'ont touché. Vous aviez porté votre poids du centre à 7,5 sur la jambe gauche. Le coup était dirigé vers l'avant, mais non violent. Mais vous n'aviez pas employé toute votre force. Bon. Ensuite, quel est le souvenir précis que ma gifle a provoqué? C'était vexant. Et quand je vous ai aveuglé avec du sable? J'ai été surpris. Que tirez-vous de ça? Concentration trop faible. Bon. Vous avez compris. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je déteste le froid. Il faut apprendre à équilibrer chaleur et froid. Vous n'aimez pas cet endroit, Nico? Servir de tous vos muscles, jambes, bras, pectoraux, tout en même temps.